brésilien. Son nom, c'est Jesus Alba Ramos. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, nouvelle vidéo sur le FC Barcelone, vidéo découverte. Comme c'était le cas avec Ansu Fati, le FC Barcelone prétend encore une fois produire un jeune talent passionnant, talentueux et issu de la formation de base du club, la Masia. Aujourd'hui, comme vous le savez, Ansu Fati est largement considéré comme l'un des jeunes les plus talentueux du football malgré ses blessures. Ilaïch Moriba, il avait montré beaucoup de potentiel après avoir fait irruption sur la scène européenne sous Ronald Koeman. Bien qu'il ait fini par partir de manière très décevante à Leipzig, il a été annoncé comme la prochaine pépite de la Masia et qui porterait peut-être très haut les couleurs du FC Barcelone. Malheureusement, il est parti et aujourd'hui, il n'a pas réussi pour sa première avec Leipzig et est prêté à Valence. Également, on a vu naître deux joueurs talentueux, très doués, avec un avenir radieux et issus de la formation de base du club. Gavi, 17 ans, Nico Gonzalez, 19 ans. De plus, c'est des joueurs qui ne connaissaient absolument rien dans le monde pro. Et je vous le dis ici, très bientôt, on pourrait voir l'émergence d'une autre pépite, un joueur talentueux, un joyau de la Masia. Déjà commencé à faire ses preuves avec l'équipe des juvéniles A. Alors écoutez bien, son nom c'est Jesus Alba Ramos, mais la majeure partie des personnes l'appellent Terus Alba. Alors j'avais parlé de lui il y a quelques mois de cela. Il a 18 ans aujourd'hui, né en 2003, et il est actuellement considéré comme l'un des talents les plus brillants de la Masia et fait désormais partie intégrante de l'équipe d'Oscar Lopez avec les juvéniles A. Il est arrivé au club en 2018 en provenance du club ennemi, l'Espagnol Barcelone, et c'était pour 50 000 euros. À l'époque, il avait rejoint le Barça pour jouer avec les KDB et depuis, il a tout doucement monté en puissance et a rejoint par la suite l'équipe juvénile A. Et au-delà du fait qu'il soit en milieu de terrain, c'est un bon buteur, il a réussi à marquer 7 buts lors de sa première saison avec les juvéniles A et 15 autres la saison suivante. Terrain de métier, il est connu pour sa vision, sa passe finale, c'est-à-dire il a une bonne finition et aussi c'est un bon tireur. Dans le même temps, l'international espagnol des moins de 18 ans est un très bon tireur de coup franc, comme l'était Alex Colliado avec l'équipe B du Barça. Donc toutes ces qualités font de lui une perspective passionnante pour l'avenir, bien que pour l'instant il soit associé à l'équipe juvénile A, c'est-à-dire les moins de 19 ans. Il a quand même passé du temps avec l'équipe B du Barça et s'est également entraîné avec l'équipe A du Barça. Maintenant, son contrat expirera à la fin de la saison et le Barça doit agir rapidement pour le prolonger et le blinder, car très certainement, les équipes seront intéressées par son profil et son potentiel. Maintenant, vous concernant, savourez son talent et retenez son nom, Jesus Alba Ramos, dit Terus Alba. Merci à tous et à la prochaine. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît.